Québec en abandonnant un modèle de solidarité sociale pour y préférer un modèle reposant sur la responsabilité individuelle. Le recours accru à la taxation, à la privatisation et à la tarification, à ces services pourtant essentiels, tout en appauvrissant la classe moyenne et les personnes déjà en situation de pauvreté. Beaucoup l'ignorent, mais depuis 2010, si vous gagnez plus de 14 000 $ par année, vous avez payé en 2010 une taxe de santé de 25 $. En 2011, vous payerez 100 $ et en 2012, 200 $. Cette mesure est inéquitable et a un impact beaucoup plus grand sur les pauvres. C'est aussi une porte ouverte à une plus grande privatisation. On nous annonce une importante augmentation des frais de scolarité universitaire à l'automne 2012. Pour l'instant, on parle de 325 par année pour une période de 5 ans, ce qui totalise 1625. Depuis des années, on demande une hausse des bourses dans les prêts et bourses pour aider les familles moins fortunées. Le montant de cette hausse aura un effet dramatique sur l'accès à l'éducation pour les familles, ce qui aura automatiquement des répercussions désastreuses sur l'avenir de notre pays. Protégeons nos services publics. Nous exigeons le retrait de la hausse annoncée des frais de scolarité. Nous voulons une éducation de qualité accessible à tous. Nos richesses, leurs profits, ça suffit. Contre Hydro-Québec, maître chez nous, nos factures d'hydro vont augmenter de 500 $ de plus par année pour la grande majorité. Un autre cadeau, dernier budget, qui hausse les tarifs d'électricité 1 cent par kilowatt de 2014 à 2008. Les tarifs augmenteront de 36% et seront ensuite indexés selon l'inflation. Ces hausses seront 7 fois plus lourdes pour les familles à faible revenu. Mieux répartir la richesse et s'attaquer aux inégalités socio-économiques par l'adoption des mesures progressistes sont les avenues souhaitées par une grande majorité des Québécoises et Québécois. La coalition a soumis à l'automne 2010 au gouvernement Charest 17 alternatives fiscales qui permettraient de récolter 9 millions de $ par année sans recourir à la tarification ni à la privatisation. Non!